Joseph Félix Badiou vivant, bel et bien vivant. Ah oui, ma parle de même Badiou Félix qui c'est un cerveau assassinat président Jovenel Moïse, même Badiou Félix bon ami premier ministre Ariel Henry, information te fait qu'on ait rencontré plusieurs fois et bien longtemps Badiou Félix li effacé le sous radar là, ou pas tendé parler de Badiou, gen moun ki dou Badiou mouri, gen moun ki dou Badiou porté disparu, etc. Eh bien, Badiou Félix bel et bien vivant. On bon ami, on boulrin Badiou confirmé, on pral gen tout détail yo dans un petit moment. Dans dernier jour sa yo là, nous remarqué PNH font bon travail. C'est trois gros trafiquants d'armes qui en bas code, yo maré. Nous parlons de trois gros trafiquants d'armes par rapport avec quantité d'armes yo mettez sous marché ya, par rapport avec munitions yo vend etc. Mais est-ce qu'on te connaît trois monsieur ça yo, Germinal Moxoni, Clovis Cadet, Lumaxon Mathieu. Est-ce qu'on te connaît nèg ça yo, c'est tiré vendeur yo té. Là non, tout détail yo a vini dans un petit moment. Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. Ou tout TAC 509, tout haïtien connecté. Ou dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. C'est un grand plaisir aujourd'hui pour nous rencontrer là, pour nous parler pays, pour nous porter information pour nous traiter information ensemble. Parce que tout ça qui concerne l'intérêt pays, tout ça qui concerne l'avenir en pays, nous obligés à appliquer nous à 100% à fond. Nous mettons tout nous-mêmes là-dedans pour nous chercher information, pour nous porter information pour nous, dans souci pour toujours être connecté avec sa capacité dans la République. Et bien, je profite donc un grand merci parce que ou toujours choisi nous pour nous informer. Et ou même qui fait tomber sur channel qui pour vous abonner, pas hésiter à faire ça, abonner, toujours songer à activer la cloche notification. Comme ça, on va prêter connecté. Chaque vidéo qui poste, on va Kevin garder là avec nous. Et obligation, mission bas, ou c'est partager vidéo, partager information. Le ça, la République a connaît qui s'est régler, qui sa autorité a fait en dans le pays, qui malversation, qui malpropreté a fait dans la République. Eh bien, ma profite rappeler au projet fait des miolans. Et c'est pour semaine prochaine, dimanche prochain, le 29. Et nous pral poté qui choye pour sa maman sans femme. Donc, avec seulement $25 US ou bien 2500 gourdes, ou ka participer à VEM, ou ka aider, encourager l'initiative ça qui prend. Puisque m'a toujours appelé li, c'est nous-mêmes qui pour porter sourire pour moun sa yo. Moun qui dans section communale yo, moun qui dans zone reculée yo, côté autorité yo pas arrivé, côté autorité yo décidé de bon gré ou de propre chef yo, yo pas faire qui choye pour moun yo pas accompagner yo, abandonner moun sa yo. Eh bien, nous-mêmes, faut que nous passions avec yo. Et dans l'occasion sans yo, c'est l'occasion pour nous faire moun yo sentir yo exister, pour nous faire moun yo sentir yo vivant. C'est vrai, li pas en pile, c'est vrai, li petit yo toujours dit, mais en pile chay pa lou, c'est pas grosse, c'est pas quand il tombe un mounan qui pral changer quoi que ce soit. C'est façon bay mounan, c'est faire mounan sentir exister, faire mounan sentir vivant, c'est ça qui est beaucoup plus important. Donc, numéro 1, c'est toujours 38 96 38 19. Relay Yannick écrit, dit comment on voulait participer, comment on voulait encourager l'initiative pour arriver, pour te kichoy, pour sa femme dans l'occasion fait des miens là. Eh bien, je prépare ou non, je vais vous information pour là, oui, rapide, vite. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. N'oubliez pas d'annoncer nous. Dans le début de l'émission, il y a deux dossiers extrêmement importants. Il y a un dossier et Joseph Félix Badiou, moi dis nous qui bien vivant, et il y a un travail que PNH a fait là pour chercher trafiquant d'armes. Petit coulier, même là, c'est petit poisson, nous considérons comme, il y a mon guide, c'est gros poisson, mais il y a un peu gros poisson. Moi, tombé sur Internet, là, je suis tombé sur une photo, nous avons là. Côté ou regarder là un petit pied bois. Non pas ouais, un petit pied bois. Là-dedans le moutro gagne différents branches. Le moutro ou racine en bas, le dou dans racine dans ces bourgeois de l'écran et puis non l'autre bois racine dans le dou c'est politicien corrompu. Mais
Nous, on branche, on mette ISO, on mette Vite l'homme, on mette l'amour sans jour, on mette Chris là, c'est l'appli, Bougoy, Mando. Il y a toujours, oui. Ou te ka mette G9, ou te ka mette G-Pup, ou te ka mette Basgalil, ou te ka mette, ou te ka... Ou... Si c'est pour gang, si c'est pour ti groupe gang, pour nous ta mette comme branche, si Pierre Moisa nous est là qui pour faire illustration, qui pour illustrer nèg qui a fait trafic zam, nèg qui a boosté insécurité, nèg qui a investi, qui a financé criminalité en dedans pays ça. Si Pierre Boisa tap trop petit et Racine za Noël la tap trop petit. Vu que son on illustration lié, vu que c'est pour nous chercher comprendre qui niveau criminalité qui gagne ba bon côté un paquet bourgeois, un paquet politicien dans pays an, ou pral vinn dit tout que effectivement on parle de ISO, on parle de Tilapli, on parle de et de nèg za au PNH ont arrêté là comme moun ka vann zaman dedans pays an. Yo arrêté Jean-Mina Moksoni semaine passée là qui t'a vann 400 maroz zam. Ça c'est youn nan nèg, ça c'est youn nan fournisseur 400 maroz. Yo parlo de Clovis Cadet, yo arrêté tout récemment là nan NIP. Ou parler de NIP, pou pa ka parler de département de NIP, pou pa parler de ancien sénateur Nenel Kassi. Ou pas capable de fournisseur zam nan NIP pour nèg sa yo pa gon contrôle pour nèg sa yo et pa pour nèg sa yo pa gen aucune idée de ça qui a passé dans département ou de moun qui a fourni zam ou bien de moun qui gen l'argent de moun qui a fait malversation. Vous comprenez? Donc c'est de même hier nous t'ai des informations yo arrêté Lumaxon Mathieu. On nous sérieux, on nèg qui gen deux chèques l'a touché dans l'état. L'a touché chèque li nan ONA. L'a touché chèque dans parlement et pour prendre des individus ça qui travaille la fait dans la république c'est zam la vente c'est trafic zam la vente c'est balle la vente et ou prendre saisir pour dire que même Lumaxon Mathieu ça li en relation avec plusieurs gros chefs gang la vente il a pris zam la vente Izozam la vente Iskabal et côté il rete dans tabac 48 quand on va parler de tabac 48 ou pral dim vite l'homme bagay contrôle nexa ça j'aime zot dou pour et Clovis Cadet oui nan NIP Clovis Cadet pa ka vann zam nan NIP pour Nenel Kassi pa au courant Lumaxon Mathieu pa ka vann zam el ret nan tabac 48 pour pas en affaire avec vite l'homme. Est-ce qu'on pral dim c'est drôle de coïncidence? C'est pas coïncidence. Ça yo n'a considéré comme relation d'affaires. Kou y a le PNH yo arrêté et Lumaxon Mathieu récemment là hier dans zone Belader. Ou pral tande il fait déclaration d'où li vann si la pli 4 manches longues avec 3000 cartouches. En sérieux. 4 manches longues ça pour aller planter maïs, pour aller planter pitimi ou bien 4 manches longues pour terroriser population, pour faire kidnapping, pour détourner camion, pour touyer moun, pour faire affrontement à la police. Li vann Iska 2000 cartouches, li vann ISO 3 manches longues avec 4000 cartouches. Et ça pire là, li gen spécialité. Autant la faire c'est zam la vente, c'est trafic en zam, c'est fournisseur zam ni etc. Li gen spécialité, li pa nan ti manche coûte, c'est manche longue. C'est manche longue et green zamni, c'est $6,500 américains. Li spécialisé dans vente T65, dans vente M4, dans vente AR15. Pas de problème puisque li en bas code. Mais bon bagay pour comprendre, l'homme parle nèg za yo c'est tiré vendeur oui hein, parce que nèg ka vend 3 manche longue, 4 manche longue alors que gen politicien, gen sénateur, gen ancien sénateur, ancien député qui yo même yo gen franchise y a fait conteneur rentrer dans port Lafito y a fait conteneur rentrer dans Saint-Marc des séries de gros bourgeois qui a fait zam rentrer dedans pays c'est conteneur yo fait rentrer donc nèg sa qui sont tiré vendeur qui a vend 3 manches longues 4 manches longues qui gon 20 manches longues pour le vendre lui même li acheté dans mes grands importateur yo nan men grand nèg sa yo ka fè gros conteneur rentre nan men grand nèg sa yo ka fè des centaines de milliers de munitions rentre l'acheter nan men yo pou la lozon. Donc là on pral dit tout business zam sa trafic zam sa ka fè dans le pays yo
C'est bien, c'est bon que la police arrête nèg sa revendeur sa yo. Malgré yon mette étiquette gros trafic, pas de problème. Pas de problème. Mais on nous sérieux. Français mes chapeaux parce que vous faites un bon travail. Vous avez cherché des délinquants, vous avez déniché bandit, vous avez arrêté bandit, vous avez stoppé bandit. Pas de problème. Mais nous connaissons, si vraiment PNH voulait quitter Français Beta, voulait quitter NOL, dans les annales de l'histoire, comme on DG la police qui te vini, qui te font gros coup de filet, faut qu'on commence à descendre dans la racine. Parce que nèg sa yo c'est ti branche yo, même nèg sa yo, même Moxoni sa yo, même Clovis Cadet, même Louis Maxon Mathieu sa yo arrêté là comme gros trafiquant zam, sa yo c'est ti branche yo. Parce que gros nèg sa yo, grand nèg sa yo ka fè conteneur rentrer, grand nèg sa yo même qui gen contrôle port, si pa gen des dossiers qui monte sou yo en dedans DCPJ, si pa gen dossiers qui monte sou yo nan bat nan bureau affaires criminelles en dedans DCPJ, c'est comme ka fè, c'est lave messie a dè. Et m'vle pou nèg me fè ti réflexion ça. En bas chat live la ban mon opinion, on nous réfléchit ensemble. Là, on a parlé de insécurité en dedans pays, on a parlé de nèg qui a fait trafic d'armes. En sérieux. Ça son trafic d'armes en Haïti sont industriels. Ça son commerce qui rentable pour nèg yo. Nous clair sur ça. Mais on nous garder enchaînement. On nous garder enchaînement pour nous voir comment zame nan fait sortir en dedans droit en dedans Poland pour l'arriver dans mes petits l'appli, pour l'arriver dans mes iso, pour l'arriver dans mes vite l'homme, dans mes lambo sans jour, dans mes gang 400 marozo. On nous garde, parce que qui s'acrive? Semaine, non, mais dans semaine là, où s'attendait, gagner information qui a circulé comme quoi, directeur général douane en dedans paysan, lui-même, lui impliqué dans le trafic d'âme, et information qui a fait connaître, c'est pour ça, États-Unis révoqué visa. Ma parle de Ben Rommel. Mais Ben Rommel, comme directeur général des douanes, li même qui coiffe tout port en dedans pays ou pral di m jodi an pour non on DG douane ap cité dans trafic zam pour ça qui ton indifférent pour pas gè opinion pour bay sou ça pour seulement prendre information ça comme si de rien n'était et pour continuer vivre comme si ça pas minan comme si zam ça yo kap touye frenche en dedans pays li pas gè responsable. Li pa gen moun ki kite le rentre, ki kite le sorti, pe bon di nou. La nou pral gade ensemble. Ou genye directeur général douane Ben Rommel. Pou konta nan zam nan sorti an dedan Poland, li gen moun ki pa fè travay yo, gen moun ki pa fè travay inspection yo. Et le nan pa le moun ki pa fè travay inspection yo, an nou sérieux. An dan tout douane, an dan tout port genye ki es, genye des agents douaniers ki la pou fè inspection. Gen des inspecteurs conteneur a vini, yo vérifie conteneur, yo fouye conteneur de la tête aux pieds. Même ou gen tennis ki gen, yo ta supposé fouye l, parce que mwen te fon émission, mwen ta parle nou de on scan, on bay scanner. Si vraiment nèg yo te vle contrôler question trafic zam, yo ta acheté scanner ça, yo ta metel nan sorti yo, et puis le ça, le camion yo ap sorti, conteneur ap sorti, y a scanner pou yo wè. Si gen même le plus infime portion de balle qu'il a dans, eh ben yo pas de feli, yo pas avle feli, c'est pas bagay qui coûte des milliards de dollars, c'est bagay yo ka acheté, parce que si vraiment n'a fait bataille, n'a nous gen intérêt, nous gen souci pour mettre sécurité en dedans pays, matériel ça yo, faut que chaque porte ka gen youn. Yo pas fel pour qui ça, parce que yo connaît gagné acolyte, yo gen directeur général douane, yo konnen yo gen agent douanier, yo konnen yo gen paquet policier qui yo même impliqué, parce que le conteneur yo vini, le conteneur a fouillé. En dedans douane yo gen agent BLTS qui là. Gen agent BLTS qui là. Pour qui ça, parce que yo pa konnen sinon conteneur yo pa voye cocaïne, yo pa konnen si pa gen zam etc. Donc en dedans pour yo jwenn agent BLTS qui là. Ou jouen agent douanier qui là, ou jouen policier qui là, ou jouen des inspecteurs qui là, yo même qui charge de inspection. Donc, comment concorde yo fait? Comment confier le fait? Bon, ba nou ti ide. Neglan, li konnen la voyon conteneur zam an Haiti. Li gen ta gen très bonne relation avec DG douane. Ok, ma voye par exemple Saint-Marc. Mais,
La vraie là, tout le monde est en fin de régler net pour qu'on tenne les amis sortis. Parce que déjà, après, il y a un acolyte qui lui dit, ou qu'on est à l'eau. Et ou même qui n'a tête douane, ça mette tel groupe agent douanier sous conteneur. Parce que le connaît agent douanier, il mette sous conteneur. C'est agent douanier ou même qui corrompu, qui n'a trafic examen, qui capra l'argent battable, qui pas fouille conteneur à vrai. Il a fait semblant, il a fait travail, il a fait inspection, etc. Et puis après, il a tout bagaille, ok. Il a mette, il a visé, tout bagaille bon, conteneur qui a sorti. Et puis c'est comme ça zamza yo, yo pral rive joine ti l'appli, yo pral rive joine iso. Donc le yo dou Romel Bel comme DG, comme directeur général douane, li nan trafic zam, ou obligé de dire ou li nan trafic zam pour qui ça? Parce que c'est responsabilité là en tant que directeur général des douanes pour le mettre des inspecteurs là pour faire travail yo, pour le mettre des inspecteurs là qui ka dit voilà, mais qui y a si suspect qui nan confie au loi avec bandi, mais qui y a si suspect qui nan trafic zam, mais qui y a si suspect qui pas fait travail yo? Et le ça, en tant que directeur général des douanes, ou gen responsabilité. Responsabilité, c'est informer la justice, c'est informer la police. Moun sa yo qui a fait malversation, moun sa yo qui n'a confié avec politiciens, avec bourgeois, corrompu en dedans pays, qui a fait zam rentrer de manière illégale, qui a fait zam rentrer pour aller faire commerce, qui a fait bal rentrer. Le ça yo, ou fait arrêter ou déférer devant la justice. Maintenant, le problème, c'est quelle justice? Je dis, on n'a pas parlé de l'insécurité qui est en Haïti. On n'a pas parlé de criminalité qui est en Haïti. Ou obligé tout n'était tout droit direct sous autorité judiciaire. Yo. Parce que moi-même, son ou mon truc, l'humaction Mathieu là, ça a arrêté hier dans Belader là. Qui a vendu Isoti la plis, Kazam, vite l'homme Zam, etc. Li fait qu'on est madame Nia vive aux États-Unis. Li espere le sorti dans prison, il va vivre, il va tourner à jeune madame aux États-Unis pour aller vivre tranquille. Ou comprendre dans qui logique? Parce que nèg yo tellement konnen haïtien son savant, yo tellement konnen et yo jeune juge corrompu, yo ba yon ti kòb batabe pou pa tande parler de yo. Donc, nèg la gen tan mete nan tèt pi tout va bien pour lui. Le sorti il va jeune madame ni c'est possible. C'est possible. Si c'est pour sortir pour la jeune madame ni, il ca sortir à la jeune madame ni parce que c'est pas premier verre qu'a crasé. C'est pas premier grinzé qu'a crasé dans cabaret nous. Valet nèg qui passe dans qui participer dans trafic zam. Valet nèg qui participer dans cocaïne dans dedans pays dans trafic drogue qui sort ouais. Ou pas ouais yo libé d'ailleurs en pile nan aujourd'hui dans pouvoir yo. En pile nan aujourd'hui c'est chef yo gen machine officielle les nèg za on doit dire le on nèg ki nan trafic zam le gen machine officielle ou pense c'est pas plus avantage pour lui le gen machine officielle nan mel c'est pas plus garantie le gagner donc jodi a nous pa gen pays parce que nous pa gen justice nèg za nou wè ka fè trafic zam nèg za aujourd'hui nous prend comme gros délinquant c'est des délinquants miniatures c'est des délinquants miniatures pour qui ça parce que racine yo d'autant nous pas toucher racine yo nous pas toucher maligne nan profondeur liye a c'est corvé ka fait arrêtez Moxoni arrêtez Mathieu arrêtez Clovis a toujours gen 10 encore k'a poussé parce que nous pas arriver nous pas mettre focus nous vraiment on s'en mis qu'à vendre zam dedans pays hein mandé et CNDD mandé Jean Robert Dorsena qui est sur Nad Marinade on lui sorti on dou mais qui est et tout le monde la république presque mette yo à l'unanimité pour yo dou moun sa yo gen soupçon sou yo vraiment comme on k'a vendre et comme on k'a vendre zam k'a fait trafic zam dedans pays hein qui réaction de Jean Robert Dorsena gen li couri sorti n'a mette la vie en danger, on lit ça, c'est pas vrai, lit, etc. etc. Comme si, c'est pas d'autres à venir prendre job là, t'es guetta, ouais, c'est pour l'issue de sortir, t'es guetta qu'on est là, vous t'apprenez la danger. Mais l'autre est venu prendre job là, ou pas connaît son job risqué, parce que t'es guetta pour t'es venu clean, ou t'es guetta responsabilité, venu clean la République, de toutes les affaires, ça y est, toute machine zam, ça y est, tout gros bourgeois, tout gros politicien, ça y est. Qu'a fait zam rentrer, qu'a participé dans vendre zam munitions de pays pour tout les petits peuples, ou pas connait. Donc nous nous trouvons dans une situation négative. Nèg yo plus rien mais poste là que bay résultat pour travail yo mette yo faire. Donc je dis il faut que CNDD avec Jean Robert Dorsena accepte li échoué, mission de gagner, li échoué là-dedans. Li échoué.
Zam fait carré continue à rentrer dans le pays, hein? Moun fait carré continue à mourir. Et le pire dans tout ça, indignité doit gagner aujourd'hui. Là, c'est le fait que nous, bon pays, nous, bon système judiciaire qui est tellement corrompu, nègre, la vende zam, nègre, la touye moun, mais il y a espoir. Il y a espoir qui ça, espoir sauté, espoir liberté. Alors que si nous avons un juge qui a fait travail vraiment, le arrêt ton nèg qui a vendu zam, qui a fait trafic zam dans le pays. Le arrêt ton nèg dans le kidnapping. Li konnen le pral prend travaux forcés à temps. Li konnen le pral prend travaux forcés à perpétuité. Ou pense nèg ça, li pas d'en réfléchir à deux fois. Ou pense nèg ça, ou délai comme bandit ça, ou pas d'en réfléchir à deux fois avant de faire trafic zam dans le pays. Bon, m'dou. Ou bien par exemple, Paul a fait tout virer tourner son question et parce que c'est pas privé, etc. Virer tourner a saisi conteneur zam, cargaison zam après prix. Si nèg sa yo te konnen yo te non pays sérieux, yo konnen yo te non pays kote que la justice a fait travail, c'est la justice qui triomphe. Pas mon question de justice pour nèg en haut, pas mon question de justice pour politicien, pas mon question de justice pour tel camp, et puis c'est moun ki pi faible, c'est yo même y a maspiné en bas. Non, pas y a ça. Nèg la tap konnen li gon obligation, pour obligation de contrôle, pour contrôler tout ça qui a entré dans douane, tout ça qui a sorti, et puis le sort dans de là, question, conteneur zam a vini nan port yo. Pas de bagay comme ça. Puisque tu connais depuis sous première fois, yo t'a pris des dispositions contre lui. Si c'est pour là pour fermer, pour fermer. Si son l'autre conseil pour mettre la dalle pour mettre elle, mais t'as bon justice qui t'a triomphé. Donc vous venez senti puisque pas de justice en dedans pays, juge tellement corrompu. Je dis à moi maintenant de moi pose une question, qui sentiment on a gagné pour nous juger en dedans pays ça? Qui sentiment mon femme gagne pour nous ces juges en Haïti ou ces juges de paix ou dans tribunal de première instance ou dans cour d'appel, cour de cassation, etc. À qui sentiment ou quoi la justice qui vend nos plus offrants, moun qui gagne plus coblan, c'est lui-même qui gagne justice, nèglan, li fait infraction pour le prendre 15 ans, 20 ans prison, bien pour le prendre prison en vie, et pourtant, il gagne espoir pour rencontrer madame ni. Il gagne espoir pour sortir dans prison. Est-ce que nous sérieux? Bagay sa ou se honte, bagay sa ou se indignation. Parce que nous pas fait pays, nous pas gen pays. Donc là, tout bagay clair devant yeux nous. Tout bagay clair. Nous gen politiciens qui financent l'insécurité, hein, parce que yon besoin de stabilité politique de dans pays. Hein. Parce que, bon, nous, le nèg la en transition. Parce que li pral nan élection, il va espérer pour pouvoir. Li pral nan élection, li pa gen yon agenda politique, li pa vraiment gen yon idée pour vin vann peuple, pour peuple voter pour faire confiance. La toujours les transitions. Et pour bon contrôle continu sous transition, faut pas gen élection. Et nous rentrons dans la logique depuis gen sécurité, pas ka gen élection. Donc nous pensons que politiciens ça nous gen là. Yo pa nan fè zam rentre an dedans pays, yo pa nan vann katouche an dedans pays, yo pa nan konfyo lo avec bandi. L'autre des chefs gang Abdou yo rencontre X, yo rencontre Y. Récemment vite l'homme ba conférence de presse. Oh oui, li ba conférence de presse. Oh, li rencontre avec André Michel. Li rencontre avec ancien sénateur Nenel Kassi. Li rencontre avec ancien sénateur sénateur Jokiki. Jean-René Sénatus. Donc là, nous pas questionner tête nous. Nous pas questionner tête nous pour nous connaître qui relation officielle de l'État qui a gagné avec un gang, avec un bandit. Alors que même bandit ça, même chef de gang ça, c'est lui même qui a fait victime dans la population civile là. C'est lui même qui a fait kidnapping, c'est lui même qui a fait kadejak, c'est lui même qui a volé bagay moun, qui a pillé business moun, et pourtant des officiels après rencontrer eux, officiels après la caillou, etc. Donc là, il faut que nous avons une idée de l'insécurité. Il faut que nous avons une idée de monde qui finance l'insécurité dans le pays. Hein? Parce qu'on n'a pas qu'à vivre dans le pays et puis pour être indifférent par rapport avec problème yo. On nous prend un petit peu de temps pour retourner après dans le dossier Joseph Félix Badiou, qui est bien vivant, belle et bien vivant dans la République. On nous prend un petit peu de temps. Deux produits à eux, c'est des outils et des bagues. Chaque vignes dans
trois phases, trois étapes, trois dosages. Biochac, c'est pour un mois d'utilisation pour faire un traitement de 90 jours chaque. Nandejoutia, c'est une pommade qui est faite à partir de 8 produits naturels. Il peut décalcifier corps carveneux, tissu spongieux pénislant pour augmenter l'élasticité tissueux des membres. Il a pour optimiser la santé générale. Il est composé à partir de graisses plantes médicinales et but ultime, c'est que l'organisme produit en pile hormone testostérone qui prend la roue, libido. Il va faire ça en forme plus fluide pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme pour qu'il joigne une érection plus ferme. Pour plus d'informations, relevez dans 514-886-9776. www.zestofmoringa.com. De retour après la pause. Là, nous allons parler dossier Joseph Félix Badiou. Donc, on est Badiou, il y a 10 mois de cela, oui, il y a 10 mois de cela, côté que il participait dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Badiou, c'est une principale cerveau, une principale. Moun ki planifie crime nan. Non seulement planifie, en pile fois nous tende, Badiou Félix te la sous scène crime nan, Badiou Félix te ba écoute mato, etc. etc. On pa kate formation. Mais ça qui beaucoup plus important, jodi an, c'est qui côté Badiou Félix yé. Qui côté Badiou Félix yé. Parce que nous gagne premier ministre Ariel Henry lui-même qui là, qui gagne non cité dans assassinat président Jovenel Moïse. Nous avons même Ariel Henry, information fait quoi que l'y rencontrer avec Badiou Félix plusieurs fois après l'assassinat président Jovenel Moïse. Donc, je dis là, moi dis que Badiou Félix est bien vivant. Et information ça, c'est même Zami Badiou Félix, Paul Denis, qui lui-même qui révèle. Est-ce que l'y révèle le non souci pour le mettre la police, pour le mettre la justice sous piste Badiou Félix, nous pas connaît. Mais, réalité qui gagne derrière tout dossier ça, c'est que nous parlons justice qui travaille. Nous parlons la justice. Sinon, 10 mois de cela là, 10 mois depuis au tour du président Jovenel Moïse, faut que Badiou Félix, faut qu'il ton côté d'a réfléchi. Ou gagne premier ministre Ariel Henry qui parlait avec Badiou Félix, qui n'a concordé avec Badiou Félix, faut que t'aies un juge qui détermine est-ce que Ariel complice, est-ce que Ariel coupable de ça qui passé. Impossible, puisque nous avons justice qui corrompue. Ou bien, ancien juge d'instruction qui était sous dossier, Gary Aurélien. Bon, Gary Aurélien, on dirait, lui vini dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. C'est poche il devine plein, c'est petit coble il devine faire pour l'aller. Dossier arrêté comme si de rien n'était, il était à la case départ, pas rien qui fait sous lui. Donc là, on est obligé de mettre tête tout là, faut que tête tout là, faut que tête tout clair. Non seulement, pour tendre, ça Paul Denis bral di yo information le bral bay yo parce que ou bral konnen tout que Badiou Félix ça Joseph Félix Badiou c'est bon ami ancien ministre justice Rockefeller Vincent et Rockefeller Vincent jodi an li son jovenelis li c'est youn nan moun qui a fait démarche c'est youn nan moun qui a participé à rencontrer Luis Almagro li ale yo écrit Nations Unies et parce que gagné et ancien premier ministre et Claude Joseph gagné Rockefeller Vincent gagné Bedford Claude Joe même qui prend initiative pour chercher justice pour président Jovenel Moïse chercher justice pour peuple haïtien après assassinat président Jovenel Moïse donc là est-ce que information ça c'est des pistes qui ouvert pour enquêteur yo est-ce que information ça c'est des pistes qui ouvrent pour éventuel juge d'instruction qui vini sous dossier assassinat président Jovenel Moïse l'essentiel c'est que information ça nous partager avec vous restez focus pour tendre tout ça Paul Denis pral dire parce que moi-même, l'homme attend de Paul Denis, mon cher, non, je ne suis pas politicien ici, mais chapeau bas devant politicien ici. Parce que, bon, ok, mouvement opposition, mouvement manifestation, tu as fait par mon côté opposition, initiative qui te prend, opposition politique, dire pas à l'époque, li reconnaît que chalet était baissé. Capacité ou te gagne pour mettre moun nan la rue, elle te baisse considérablement ou pas de mettre moun nan la rue. Donc, si opposition politique la te admet que capacité ou te baisse, elle pas de mettre moun nan la rue, j'en ou te attend, j'en ou te vle pour al saccager béton, faire pression sur président Jovenel Moïse à l'époque, c'est que quelque part, nèg yo te vin reconnaître que Jovenel Moïse te prend plus confiance dans lui, Jovenel Moïse t'a pral fini mandat là.
Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est le Paul de Limandé. Pour le rencontrer, parce que nous songeons, tu as gagné le secteur protestant qui a commencé à prendre initiative pour faire manifestation, pour prendre la rue, faire revendication, etc. Et tu as dit, et la vie, bah songe. Et n'a marché pour la vie. Comment ça a été le mouvement? N'a marché pour la vie. Maintenant, puisque Diopod, yo te wè Charles Béton yo baissé, kounye yo al fè alliance avec le secteur protestant là. On al fè alliance avec le secteur protestant, pas de problème. Qui ça, qui initiative Paul Denis lui-même était prend, lui mandé pour le rencontrer, pour le contacter premièrement avec qui est, pour le contacter pasteur et pasteur Forge avec pasteur Gérald Bataille. Deux pasteurs, ça, c'est deux mouns, je dis, qui dépaysent, parce que y'a nous, y'a un mandat d'amener derrière, comme moun qui participent dans le complot pour touiller président Jovenel Moïse, pas oublier ça. Deux pasteurs, ça, y'a en exil, y'a la guépié, y'a gagné. Donc, Paul Denis, t'es rencontré avec deux mouns, ça, et pendant Paul Denis rencontré avec deux pasteurs, ça, Forge avec pasteur Gérald Bataille, c'était occasion tout pour le rencontrer avec Emmanuel Sano, docteur Emmanuel Sano. Docteur Emmanuel Sano, ma praplo, c'est lui-même qui était allemand des services CTU, CTU qui était engagé colombien pour venir touiller président Jovenel Moïse 7 juillet. Ma continue. Eh bien, pendant toute démarche, ça a fait par mon côté Paul Denis, pour mettre moun dans la rue, pour mobiliser moun, et bien, ce qui a si tombé, li tombe sous trois complices là. Li tombe sous deux pasteurs, Forge avec Gérald Bataille. Li tombe sous docteur Emmanuel Sano, comme moun qui jodi an la nan pénitencier national, qui pour qui ça parce que li participe nan touye président. Qui ça Emmanuel Sano te dit qui attire attention? C'est le fait que le deal Washington getan metel d'accord, tout moun getan d'accord, président Jovenel Moïse. Depuis juin 2021, il pas dans tête pays encore. Là, faut poser des petites questions. Docteur Sano, Emmanuel Sano dit Paul Denis depuis juin Jovenel Moïse, carotte cuite pour Jovenel Moïse, il pas dans tête pays. Donc faut poser des toutes questions puisque le dire c'est lui-même qui prend le prochain président pays. Élection pour organiser, élection pas faite. Ou pas attendre, Emmanuel Sano, c'est pas un politicien qui t'est sous béton, on pral dit, t'as pral gen réunion, etc., etc., pour corps, pour t'as vint mettre comme prochain président. Là, en tant que politicien, en tant que homme de terrain, ou fait terrain politique là, ou fait plusieurs batailles politiques déjà, ou t'es là sous la Valas, ou là sous Préval, ou là, ou gen expérience politique. Donc si on a vu nous en bagaille comme ça, faut ta poser cette question pour est-ce que c'est pas un coup d'état les gars planifié? Est-ce qu'on comprend? Donc ou faire silence. Ou faire silence, nous pas entendre tout détail. Il fait silence. Mais ça qui est beaucoup plus important pour songer, nous pas oublier en juin avant assassinat, un mois avant assassinat président Jovenel Moïse, Jovenel était allé la Turquie. En juin, président est allé la Turquie et le maré colombien, James Solange, te fait connaître, plan c'était pour touiller président sous tamak aéroport. Le sorti Turquie, c'était fini pour lui. Maintenant, posez ta question, est-ce que ça fait pas touiller président Jovenel Moïse depuis le lit sorti Turquie hein? Ou bien depuis le pral Turquie hein? Parce que l'objectif là c'était Turquie le que c'est le pralien, que c'est la vignan, faut que tout y le juin, d'ici juin, pas de Jovenel Moïse encore. Est-ce que vous avez ça que c'est plan pas d'exécuter sous ta maclan? Est-ce que c'est parce que vous avez le contrôle, comment vous pral rentrer dans l'aéroport, comment vous pral et faufiler dans le cortège, ou bien Dimitri, pour quoi? Parce que c'est vous connaissez, vous avez fait complot, c'est vous même qui avez planifié tout bagaille. Ou bien est-ce que vous avez joué une approbation et directeur, parce que là, nous sommes obligés de poser plusieurs questions pour nous aboutir, pour nous voir qui ça gagne de sens dans sa parole de Nidi là. Mais, soit pas oublier, c'est que James Solage de Dou, yo te gagné, tout bagay te gagné presque fin planifié pour le Jovenel Moïse tapra les Turquie pour te tuer. Donc là, ou vin dit ton seul bagay, que
tout nèg sa yo ki nan plan pou te touye Jovenel Moïse, que le te Emmanuel Sanon, que le te Fojo, que le te bon, là Paul Denis au moins, même le pral tan des albral dou la après comme s'il pas connaît que nèg yo t'a pral assassiner président, mais au moins te connaît au dou que l'on veut ou non son coup d'état Jovenel t'a pral prendre. Un coup d'état t'a pral prendre. Bon, c'est la grosse tête politique et le politicien ici a prouvé quoi, le politicien ici voulait prendre pouvoir, pas gagner, pas fait, pas gagner, pas fait. Donc, nèg yo sont pas qu'être bêtiseur. Et si vraiment t'es gagné la justice, je dis en là, si vraiment t'es gagné la justice, nous t'as fait pays. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, nèg yo pas obligé de rentrer politique là-dedans pour yon mari nèg. Nous comprenons pour ça parce que depuis nèg là t'es au courant, il t'es rencontré avec des séries de nèg qui participaient dans le complot. Faut que t'as arrêté, faut que t'as en côté. Jusqu'à ce que juge d'instruction finisse sur le dossier, pour t'a déterminer est-ce qu'on complice, est-ce qu'on coupable, pour la justice trancher, le ça pour tout le monde t'a compte côté ou doué camper avec politicien ici. Côté ou doué camper avec nèg qui commandite, nèg qui finance complot ça. Bon, là, on va quitter nous avec Paul Denis. Paul Denis, il y a un paquet de bagages, il explique, là, il raconte l'information, il baille sous Badjo Félix. Et moi, c'est extrêmement important. L'important, non seulement pour DCPJ, mettez focus sur Paul Denis, l'important pour la justice, bon, quelle justice, mais la justice quand même, pour yon mettre focus sur l'information, parce que nous ne connaissons pas qui prochain juge d'instruction qui a gagné pour le prendre dossier, que l'on veut ou notre dossier, il faut que juge d'instruction qui prenne quand même. Donc là, je pense que c'est des informations qui sont extrêmement importantes. Est-ce que Paul Denis, c'est pis la baye PNH, c'est pis la baye DCPJ, nous ne connaissons pas, mais l'essentiel, c'est que Badjo Félix est vivant. Il est vivant et bel et bien vivant. Est-ce que c'est Ariel Henry qui a caché la résidence officielle là tout? Nous ne connaissons pas. Bon, bon, rappelez-nous, projet fait des meilleurs. Parce que moi-même, projet à l'église, j'ai monté projet à là. Et objectif projet à fixé. Je ne comprends nous, je ne comprends qui ça nous voulait faire là, même, parce que objectif là, c'est ça, maman, et si nous avons fait plus, nous avons fait plus. Mais pour ça possible, mes amis, faut nous participer. D'ailleurs, il y a des gens qui mettent sur stand-by, nous seulement là, arrêter une semaine, stand-by là, pas trop long. Parce que faut enveloppe, faut tout enveloppe, il y a fin fête deux jours avant. Est-ce que nous comprenons? Donc là, m'attend nous, relève et crime dans le numéro d'émission 3896-3819 avec seulement $25 US ou bien 2500 gouttes. Vin participer, vin contribuer, vin faire que un maman content. Parce que Ariel Henry lui-même, c'est bagay, Badjo Félix a serré et bagay ça l'a réglé. Et nous, les politiciens ici, c'est trafic d'armes à régler. Nèg la li responsable. Pour veiller sur la population, nèg la gwo ministère planification là, ou gen un recap yon SDP qui occupe tête ministère là, ou pas on merde à planifier pour peuple là. Sinon que planifier assassinat non, planifier massacre sous nous, mais pas rien qui important pour yon, pas rien qui sérieux pour yon faire pour peuple en jodi. M'pense petit coulier, initiative, ça c'est des initiatives pour nous supporter. Donc, en nous contribuer, mais en pile, chay palou, c'est ensemble pour nous. Atteindre objectif 129 mai qu'a venir là. Bon et nous parlons de Paul Denis là. Nous parlons de Paul Denis en année. Personnel parle. Mais c'est pas dans nos partis. Non. Parce que moi j'ai des partis là qu'on a pas élection possible, ben faut élection possible parce que peut-être qu'il y a peine 3-1 sur yo après tu fait mené 5-0 sur lui. Alors 5-0 était dans un seul match gagné hein. Parce que écoutez, il dit que 3 matchs yo perdu, peut-être qu'il y a peine, c'est dans diplomatie, collectivité territoriale yo et puis question aspect économique yo, yo demande partage. En fait, nous même une force pas partage ça. Non, c'est du la question du pouvoir yo confondé avec la lutte pour les postes. Lorsque ça partage de responsabilité. Gain partage de responsabilité, gain aussi attribution de postes. Et bataille n'a pas mené comme Unifos. Son bataille pour un changement en profondeur dans le pays. Alors, pendant n'a pas mené une bataille pour changement en profondeur dans le pays, il y a des alliances qui sont capables de construire, des unions, comme je dis là, qui sont capables de faire. Mais c'est pour faciliter et pour lever un obstacle pour marcher, continuer à marcher vers la présidence. Il y a une série de monde qui ont un discours dans le pays. Mais
parole yo avec action yo yo toujours dépamment. Nous fait 4 ans de bataille contre Jovenel Moïse. Voilà que Jovenel Moïse yo vinn touyel et d'ailleurs les partisans de Jovenel Moïse yo tout profité pour régler leur compte avec des adversaires politiques, yo cherché pour yo mettre tout le monde là-dedans. Et te mettre là-dedans tout. Oh oui, yo mettre monde mandat en prendre pour arrêter moi et mandat d'amener contre moi-même pour vol à main armée, pour tentative d'assassinat et assassinat. Et alors que moi-même pas gagne rien pour moi d'ailleurs là moi je venais arriver, j'étais à plus de 220 km de Port-au-Prince. De la caillou? De la caillou pour salut, de la caillou pour salut et de la caillou peut-être une semaine ou une semaine et demie. Mais est-ce qu'on t'a rencontré docteur? Oui, m'ai rencontré avec elle en fait. M'pas gagne pour moi rencontrer avec lui non. L'encadre mobilisation nous t'a fait on prend contre Jovenel Moïse. Nous t'ai venir rendre compte alors moi-même tout entre nous-mêmes qu'a fait qu'il en groupe politique nous en dire pod nous rendre compte que mobilisation les rivons côté il pas qu'à monter. Alors moi même là réfléchi moi et nous même politique le lancer mobilisation nous ouais arriver au niveau nous t'a souhaité monter plus haut mais pas qu'à monter plus haut. Plafonner. Nous garder nous ouais droit de l'homme c'est même bagarre là qui fait mobilisation. Nous garder nous ouais secteur protestant il fait arriver côté tout. Alors moi me dit peut-être il t'a bon pour une initiative. Alors qui initiative parler avec eux parce que gagne deux pasteurs qui était très actif moins pasteur Forge et pasteur Gérald Bataille. Gérald Bataille le nom exil forcé oui moins mandé aux amis est-ce que li connaît moun sa yo est-ce que il gagne téléphone moun sa yo et parler avec eux dio d'arrêter rencontrer avec eux ce que le fait on parle de docteur Sanon ça non pas qui docteur Forge avec docteur Bataille. Emmanuel Sanon. Mm-hmm. Emmanuel Sanon m'bat konnen. Kounye la mal yo pasteur yo ban mon rendez-vous yon côté Bodelma ça Delma 48 et yo ban mon rendez-vous mal rendez-vous. M'parle avec yo ki ça, m'parle avec yo de mobis mande yo pour yo pren initiative lancer mobilisation yo et nous même comme politique n'ap vini on prend un support et avec ça nous pensons nous capable gagner de meilleurs résultats. Et comme de fait d'ailleurs marcher pour la vie. C'est ça. Le bagage a vint fait, nous vint monter à millions. Alors que avant nous était plafonné, nous pas de cas monter. Et on a parlé uniquement de ça. Alors, ces deux pasteurs, c'est la première fois que je rencontre avec eux. C'est la dernière fois que je rencontre avec eux tout. Des besoins, on va joindre à Koyo. Parce que l'immobilisation, il y a l'autre monde qui a occupé le travail sur le terrain. Et puis, l'une fine discussion, ils ont dit, moi, il y a un monde qui l'a, oui, qui tendait au là, en parlant moi-même, qui tendait au là avec nous. Li content de parler de vous, li dit il t'a aimé rencontrer avec vous. Me dit avec plaisir. Et puis nous sortis dans salle côté NDA, nous allons dans l'autre salle qui est plus grand et puis c'est là me rencontrer avec Emmanuel Sanon. Monsieur debout d'ailleurs, en prenne qui présentait tête li comme un nèg qui venait pour le président de la République. En prenne dit le prochain président, c'est pas lui-même, l'élection? Non, pas dans l'élection. C'est le prochain président, c'est lui-même, les jeux sont faits à Washington. Jovenel, puis loin la privée là, c'est le mois de juin. Et dans qui mois, rencontre a été fait? On était au mois de janvier. Ah, on dit, puis loin la privée, mois de juin? Oui, puis loin, c'est mois de juin. Et puis, donc, M. Dim, c'est Luc Pal, le prochain président. M. Présenté, M. Monde, dit, c'est Luc Pal, le premier ministre. Et puis, M. dit, Paul, pour j'aime tant de parler de où, on va en bien. Et M. Darimon, on vient dans l'équipe, moi. Je dis, mon cher, merci beaucoup. Et mon équipe, déjà, je suis en deux équipes. Bon, je continue à parler. Comme quoi, avec. Mais, c'est pas une rencontre avec lui, non. C'est fortuitement, je rencontré. Je suis en rendez-vous avec ces deux pasteurs. Et puis, je dis, je suis besoin de rencontrer avec moi. Je parle avec lui. Mais alors, vous échangez téléphone avec lui? Je change téléphone avec lui. Même, je ne jamais relayer non plus. Depuis janvier, je ne vais pas janvier, je ne vais jamais. Aucun contact avec. Oui, mais monsieur Madjo. Le dit Badjo, c'est mon pam. Badjo, oui. Badjo, c'est mon pam, oui. Badjo, on connaît Badjo, l'homme était ministre. Il y a un tremblement de terre qui passait. Monsieur Mbad connaît l'avant. Le même bref passé. Et puis, nous avons un bon travail pour retirer un blé, etc., etc. Et puis, moi, Badjo, dans la cour. Et puis, on est qui dévoué, on prend. Non. Et puis, on l'a mis les lits. Nous venons faire connaissance. Et puis, il me dit, bon, j'aime moins que ça, on prend son actif qui dévoué.
et monsieur Bam Kourikou l'homme. Et puis monsieur était dans le cabinet. Monsieur était dans le cabinet, moi, il pas dans le cabinet. Il était Zamim. Et Zamim Ariel tout. Zamim Ariel tout. Mm-hmm. Oui, oui, il était Zamim, Zamim Ariel. Et lycée collaborateur du ministre qui a trafiqué avec le ministre qui n'est pas de ministre d'ailleurs. Ouais, avec un commissaire du gouvernement qui sont marionnettes pour envoyer mandat à moi. Monsieur, c'est collaborateur de ce ministre. On parle de Rockefeller Vincent. Je parle de Rockefeller Vincent. Mm-hmm. Je parle de Rockefeller Vincent. Mm-hmm. Monsieur, me dit monsieur, c'est Zamim, mais monsieur, son nègre qui fréquentait tous les milieux politiques ou non politiques. Mais côté lui. Bah, qu'on côté lui. Monsieur Baramrelo depuis l'événement. Non. C'est Bedford Claude qui devait mandat à vous, commissaire oui, du gouvernement. Bedford Claude. Bedford Claude. Merci Paul pour nous plus d'informations très précieuses là qui porte un éclairage sur les gens fait. Il était focus sur. Problème prostate. Je n'ai un docteur qui mettait ou en prenant un cathéter pour moi. Et j'ai une difficulté, je fais une consultation. Bref, donc, un docteur a dit que mon bagage qui pour faire, je suis pas satisfait. Et parce que dès que j'ai un problème comme ça, et il était fait un panneau de l'autre bord, bon, 2019, je dis et ou pas gagné. Ou pas fait cancer de la prostate. Ou pas fait cancer de la prostate. Si ou t'as fait cancer de la prostate, on dit la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine, ou pas besoin de faire l'âge ça, ou fait prostate, et puis c'est pas les captures parce que la prend pile temps pour le développer. Donc pas inquiété au prostate pas tuyau. Mais. Avec Shopify, créez votre propre expérience. Docteur ici, hein? Il dit la font biopsie, c'est-à-dire pour le garder pour le. On dit, mais après, là, d'autant plus qu'on y a là, on ou rentrer, ou gagner rendez-vous avec le docteur. Le docteur a commencé à travailler pour vous, manifestation, route bloquée, etc. etc. Donc, j'ai dit, on va aller, on prend l'autre bord. Madame, moi, t'as madame, moi, t'es l'autre bord déjà. Donc, alors, moi, si je suis là, je vais le présenter. Un grand problème, naturellement, la carité cachée. Parce que si vous avez un lago, vous avez un mouvement, ça a eu gain là, ou tout mourir, ou bien faire assassinat. Mais moi-même, je voulais être vivant pour moi, parce que je ne voulais pas voler, assassiner, je ne voulais pas voler. Faut me battre pour me craser pour voir, pour nous retirer là, pour empêcher le pays à avancer. Donc, je me dis, faut me être vivant, je vais quitter le problème pour y aller tout. Quand on est là, nous demandons, avocat, demandons, juge d'instruction pour le tandem. Parce que je ne connais pas l'embarras comme ça. Je dis que je vais négliger ça. Nous faisons une deuxième demande et requête pour le tandem. Finalement, l'accepter le tandem. Et bien, il va juger, il va accuser que tu as touché pour le tandem, non? Oui, oui, mm-hmm. Oui. Mais moi-même, je n'ai pas gagné l'argent pour me payer. Je me dis que l'homme dit que je vais payer 2 millions de gouttes qui fait 20 000 dollars américains. Jusqu'à l'Orénien? Pardon? Jusqu'à l'Orénien? Oui, il dit que le monde, il va dire que le monde qui paye 2 millions. En tout cas, ce n'est pas Paul Dédé. Parce que moi-même, je ne compte pas. Il dit un poids chaud qui puisse en pouvoir. Je ne vais pas compter l'argent ça. Je ne vais pas compter l'argent ça pour me payer juge. On voit que pour un bagage, on ne connaît pas aucun rapport. Et d'autant plus que ce Emmanuel Sano, on voit qu'il dit que c'est aujourd'hui qu'il a fait politique. Ben. Ou jouer nous un premier nègre ou pas qu'on nègre là côté le sauti qui l'aura qui calé, et puis on va aller en complot avec. Mais si on nègre pas qu'il y a habitude d'expérience pour connaître qui côté pour fourrer corps, qui côté pour pas fourrer corps, nous ne sommes pas vivants encore. Nous avons une longue tradition, habitude. Pour nous, depuis nous au monde, pour nous commencer, nous avons flair, pour nous commencer, ouais. Nègre a été l'idou. L'idou, monsieur, même la conversation avec moi, il dit, je rencontre avec tout leader politique. Alors, naturellement, je connais, ce n'est pas possible. Mais il reconnaît, il me sent reconnaître les fonds, ouais. Il dit, presque tout leader politique aime faire photo. Oh. Et il dit, aime faire photo, naturellement. Si vous avez un petit monde, vous avez rencontré tous les leaders politiques, ou bien presque tous les leaders politiques, pour qu'ils fassent photo. Est-ce que Badjo est vivant? Et Badjo, lui vivant. Il parle avant? Non, il ne parle pas avant. Bon, on. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique, il est nôtre. Mon éditorial, vous dit tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2h, M. Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon Éditorial, nous bras la balle et pays, nous bras le fait débat.